Allez, je vais lui faire une nouvelle coupe. Qu'est-ce qui se passe là? Léniros, qu'est-ce que tu fais? Non, non, c'est pas ce que tu crois, c'est pas ce que tu crois. Mais t'es une tondeuse? Non, mais... Ah non, mais j'ai pas fait exprès, c'est pas... Miroir, vite! Non, 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 mais t'inquiète pas, y'a rien, je te promets. Mais tu voulais me couper les cheveux? Non, non, j'aurais jamais fait ça. Moi, je vais devenir chauve là. Mais non, mais qu'est-ce que t'as voulu faire avec ça? C'est pas ce que tu crois vraiment. Oh non, non, c'est pas ce que je crois, mais un rasoir auprès de moi là. Tu voulais me faire un prank? Comment bon, Lily Rose, vas-y, explique. Non, tu dois sûrement être dans un rêve. Non, 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 non. Réveille-toi. Non, non, je suis réveillé là. Hein? Allez, qu'est-ce que tu voulais faire? Oh non, mais qu'est-ce qui se passe? Ça commence déjà à crier. Qu'est-ce qui se passe? Non, 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 c'est flagrant. Ah, te voilà. Je parie que t'étais au courant, Esteban. Regarde, Lily Rose. J'étais en train de dormir. Et qu'est-ce que je trouve Lily Rose en train de vouloir me tondre? Voilà. Mais tu rigoles. Non, mais là, tu sais plus quoi dire, t'es perturbé là. Tu... Non, mais raconte n'importe quoi encore. Tu trouves plus tes mots. Elle voulait me faire une boule à zéro. Mais n'importe quoi, il raconte. Mes beaux cheveux là, regarde. Bon, écoutez, stop. J'avais la coupe. Attends, j'ai rien compris. Lily Rose voulait te raser les cheveux. Je pense que je l'ai réveillée en train de lui raser la tête. Non, bon, de toute façon, moi je crois Peppa Pink. Parce mais n'importe quoi. En ce moment, tu fais plein de bêtises et tu te souviens de ce qu'on t'avait dit dans une autre vidéo? Pas du tout. Est-ce que tu te souviens de ce qu'on t'avait dit? Non. Si, à la prochaine bêtise, si tu continues à faire des bêtises, on appelle une nounou pour te garder. Non. Ouais. Non, je me souviens. Et pas n'importe quelle nounou, tu sais très bien qui on va appeler. Tu te souviens qui? Non. On va appeler Tata Grognon. Non. Tata Grognon. Tata. La pire des nounous. Non. Et rien que pour toi. Non, alors, sauf si... Est-ce que tu avoues vouloir... Oui, j'avoue, mais s'il vous plaît, me ramenez pas... Ah, tu avoues avoir voulu couper les cheveux de Peppa Pink. Oui, mais s'il vous plaît, ramenez pas... Eh bah, ben, c'est pire. Bon, reste ici, on va se charger de toi, ne t'inquiète pas. Allez, Peppa Pink. Voilà. T'as son numéro de téléphone? Ah bah, bien sûr, je l'ai trouvé. On reste là, Lily, fait... Je l'ai retrouvé, le numéro de téléphone de Peppa... de Tata Grognon, hein. Ah, j'ai retrouvé son numéro. Je vous déteste. Tu nous détestes? Ah bah, profite bien de tes dernières minutes de liberté, parce que dès qu'elle va arriver, ça va plus être la même histoire. Bon courage avec elle. Tu dors, moi allez, moi j'y vais. Bon, allez, hop. Les amis, là c'est trop. Nous, ce qu'on va faire, on avait prévu déjà de le faire, on va partir en vacances avec... Non, je vais partir en vacances tout seul. Toi, je te laisse te débrouiller. Et j'appelle Tata Grognon, j'ai son numéro. Elle va arriver d'une minute à l'autre. Elle va se faire un plaisir de garder Lily Rose, je pense. Bon allez, les amis, moi je pars. Ciao, à plus. Hein. Ça doit être par ici. Ah, ils m'ont demandé de me presser. Ah bah, je suis arrivé le plus vite que j'ai pu. Ah, ça va bien faire 3 ans que j'ai pas vu Lily Rose. Oh, elle a dû changer. Mais bon, au moins ils ont pas oublié Tata Grognon. Ah, ah bah, ça doit être ça leur nouvelle maison. Hein. Allez. Ouvrez-moi. Eh oh. C'est Tata Grognon. Eh oh. Ah, me dites pas qu'ils m'ont déjà oublié. Encore une fois. Eh oh. Bon, là, Lily Rose, Esteban a appelé Tata Grognon. Elle va arriver d'ici 30 secondes. Non, non, s'il te plaît. Voilà. Non, j'ai vraiment pas envie de la voir, là. Je vais très bien sans elle. Allez. Non. C'est pas possible. Comment je vais faire? Je sais même pas combien de temps elle va rester ici. Ça va encore être un enfer. Je la déteste. Peppa Pink là, les petites cacahuètes, ouvrez-moi. Oh, moi je suis fatiguée. Là, je vais me reposer ici en attendant. Oh, j'espère que j'ai pas oublié mes affaires, parce que si je dois rester une semaine, mon porte-monnaie. Ah bah, il est vide, j'ai plus d'argent. Ah, j'espère qu'ils vont me payer pour garder Lily Rose, sinon je serais vraiment venue pour rien. Ah, mon fouet. Ah, ça va, il est toujours là. Ah. Eh, hey, ouvrez-moi, là. Oh. Ah. Je vais pas me laisser abattre. Je vais essayer de rentrer par mes propres moyens. Ah. 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 C'était pas fermé à clé, je pense. Qu'est-ce que je peux faire? Oh. Attends, mais c'est la porte d'en bas que j'ai entendu claquer. Oh non, j'espère qu'elle n'est pas déjà arrivée. Non, 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 j'ai rien préparé. Faut que je range parce qu'elle va tout mettre à la poubelle. Faut que je range tous mes écrans parce qu'elle déteste ça. Bon, hop, voilà. Mon téléphone, il est dans ma poche. Elle est tellement aveugle qu'elle le verra pas.
Bah, plus qu'à attendre qu'elle trouve ma chambre, parce que bon, déjà pour monter les escaliers, ça va être une grande épreuve pour elle, je pense. Ah, mais j'ai mal au dos. Au moins je suis rentrée, mais j'ai fait une très mauvaise chute. C'est pas mal ici. Leur maison, elle est vraiment super par rapport à celle d'avant où ça pue le pipi partout. Bon, ça doit être en haut les chambres. Lily Rose, Lily Rose, t'es là? Lily Rose. Par contre, ça, il y a toujours des escaliers. Non, Lily Rose. Hey, t'es là ou pas? Lily Rose. Oh là là. Mais quelle sale petite. J'en ai marre. Il n'y a personne pour m'aider. Ils m'ont appelé pour que je la garde. Et même pas, ils viennent me dire bonjour. Il faut que je l'attende maintenant. Oh non, non, dis-moi pas ça. Non. Bonjour. T'es là. Vous n'êtes pas à la bonne entrée. Hein, non, mais si, je te... Attends, montre-moi. Montre-moi ta tête. Ah, c'est bon, c'est elle. C'est toi. C'est pas parce que je suis aveugle que je vois rien. Du coup, aussi, ça veut dire... C'est vous, Tata Grognon. Ça veut dire la même chose, mais bah oui, c'est moi. Ah, vous avez pas changé, dis donc. Ah, mais toi, par contre, ma petite, montre-moi si je peux. Mais là, c'est même pas que t'as changé. On dirait que t'es une nouvelle personne, mais c'est incroyable. Vous pouvez éviter de tirer mes habits, parce que contrairement à vous, ils datent pas du... Du Moyen-Âge. Eh, mais alors, moi, j'aime bien avoir des habits du Moyen-Âge. Oui, bon, par contre, vous allez pas dormir ici, donc vous allez très vite partir. Ils tiennent chaud. Bon, écoute, c'est vrai que je te reconnais pas. Non, t'es bien Lily Rose. Non, c'est pas moi, vous êtes trompée d'adresse. Lily Rose Pink Lily. D'ailleurs, j'ai écouté ton album là. Ouais, bah c'était bien nul. Tu sais que je suis vieille, hein, j'aime pas trop ça. Bon, allez. Au revoir. Bon, écoute, ton père, non, c'est ton frère, oui, ton frère là, Esteban, m'a dit que je devais te garder pendant une semaine. Non, c'est faux, je pense qu'il s'est trompé de numéro, trompé de nounou, trompé de tout. Non, il ne s'est pas trompé. Bon, écoute, je vais rester avec toi et on va commencer par faire un petit ménage. Parce que tu sais que je déteste les écrans, hein, les téléphones, les iPhones, TikTok, tout ça, c'est... Je déteste. À mon époque, tu sais ce qu'on faisait? Non. Est-ce que tu sais ce qu'on faisait? Non, je sais pas, vous allez arrêter avec votre carte. On faisait du coloriage, de la couture, et bah voilà. Et on était très heureux, tu sais. Bon, allez. Ah bah voilà. Le seul est lui. Ah bah voilà, allez. Voilà. À la poubelle. Allez, maman, on peut partir. À la poubelle. Non, s'il vous plaît. Mets-moi votre canne, je la mets à la poubelle peut-être. Non, non, ça j'en ai besoin. J'en ai besoin pour marcher. J'en ai besoin pour marcher. Voilà. Laisse-moi tranquille. Vous êtes moins la baleine sans votre canne, hein, c'est ça? Alors maintenant vous allez bouger de ma maison parce que moi j'ai pas envie que vous me gardez là, vous me faites trop de la peine. Est-ce que c'est une manière de se comporter avec les personnes âgées? Mais t'es pas une personne âgée comme les autres en fait, t'es vraiment bizarre et je te déteste. Depuis que je suis née, tu m'embêtes. Et alors? Moi je m'ennuie toute seule chez moi, à la maison de retraite. Tu sais où tu vas dormir? Dans la salle de classe. Non. Écoute, c'est prévu que je dorme avec toi. Alors là, jamais de la vie. Dans ta chambre. Dans ta chambre pour te surveiller. Allez. Bon, d'ailleurs, hop, prépare-moi un petit bureau. Non, je vais me mettre ici. Hop, voilà. Non, mais. Moi, j'ai des devoirs à faire sur ce bureau. Hein. Oui, tu feras tes devoirs dans ton lit. Allez, va dormir d'ailleurs, c'est l'heure de la sieste. Laisse-moi tranquille un petit peu. Vous prenez pour qui? Allez, dans ton lit. Non, mais laisse-moi tranquille. Dépêche-toi d'aller te coucher. Dépêche-toi. Oui. Bon allez, les amis, j'espère que cette semaine va bien se passer. En tout cas, à la prochaine pour un prochain épisode avec Tata Grognon. Et n'oubliez pas de vous abonner pour que je revienne. Non. Et mes petites cacahuètes. J'espère que vous allez bien. C'est Tata Grognon et là j'ai pris le contrôle de la chaîne de Lily Rose parce qu'à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui décide dans cette maison et elle va faire tout ce que je veux, ça c'est sûr. Là, on est dimanche et comme c'est moi qui décide maintenant, car c'est moi la meilleure des nounous et surtout, c'est moi la reine de cette maison. Lily Rose, elle a pas école aujourd'hui, mais elle va bien voir si elle va pas travailler. Eh oh! Bon, de toute façon, je peux aller la réveiller comme ça. Elle risque pas de se plaindre, c'est moi qui fais les règles. Lily Rose! Lily Rose, debout! Il est déjà 7h du matin! Lily Rose! Lily Rose! Eh oh! Hop!
Bibi Rose! Mais c'est le week-end! Mais qu'est-ce que tu dis? C'est le week-end! Eh oui, aujourd'hui on est dimanche! Et tu sais ce que ça veut dire dimanche? Ouais, ça veut dire qu'on se repose! Et non! Avec moi, avec Tata Grognon, dimanche, c'est le ménage! Mais pas du tout le ménage, y'a même pas le jour de la semaine pour le ménage! Et si, le dimanche chez moi c'est ménage! Bon allez, Lily Rose, tu as 30 secondes pour descendre de ton lit! Si tu ne le fais pas, Non, tu verras bien ce que je te réserve. Ne t'inquiète pas. Enfin, non, je peux te le dire. Si tu descends pas tout de suite de ton lit, tu es puni de téléphone pendant une semaine. Bon, alors, t'es prête ou pas? Tu préfères te reposer ou avoir ton téléphone? Oui, reposer. Eh ben, on va quand même faire du ménage. J'ai pas que ça à faire, c'est ménage. Ma chambre. Ma chambre, elle est rangée. Ah ouais? C'est ça que t'appelles ranger? Regardez-moi ça les amis, à partir de maintenant c'est moi qui décide. Et Tata Grognon a décidé que tout ce bazar, c'était pas rangé. Mais si... Allez, prends un sac. Mais prends non. Ce sac. Prends un sac. Et on va vraiment tout... énervant, tu te crois chez toi ou quoi? Ah bah je suis chez moi, hein. Moi, on m'a demandé de te garder pendant une semaine. Alors c'est moi qui vais décider, crois-le ou non. Tu mets quoi dans le sac? Bah tout. Allez, tout ce qu'il y a sur le bureau, tout ça dans le sac. Poubelle. Poubelle, poubelle, poubelle. C'est quoi cette gourde moche? Elle est abîmée. Arrête. Poubelle, ça c'est quoi? Poubelle. Mais tu te prends pour qui? Mais je suis la reine. Bon voilà, c'est bon, poubelle. Allez hop, voilà. Et ça c'est quoi tous ces papiers? Mais tous c'est... ces... Des laisse... Mais laisse-moi. Des vêtements sales partout. Mais pas du tout, c'est toi qui es sale. Oh, comment tu parles à Tata Grognon? Déjà, t'es pas ma tata. Comment tu me parles à moi? Moi, ta tata qui t'est toujours soutenue. Comment ça, tu m'as toujours soutenue depuis que je suis née? Tu m'embêtes tous les jours. C'est vrai que je te déteste. Mais bon, je m'en fiche. Bon, écoute, ton père n'est pas là. J'espère qu'ils vont bientôt revenir à la base. Ton père n'est pas là et Esteban n'est pas là. Alors, tu vas faire ce que je te demande. Bon, on fera le ménage ici plus tard. De toute façon, je te l'ai pas dit, mais cette nuit, c'est moi qui dors dans ta chambre. Quoi? Et oui. Toi, j'ai pas de place. Ah, apparemment, on m'a dit que tu avais le lit le plus confortable de la maison. Oui, alors... c'est vrai, mais il est pas pour toi. Ah non, tu sais, moi, je suis très âgée, je suis très vieille. Alors, j'ai besoin d'un très Regarde, bon... viens voir. Oui. Là, il y a des très bons matelas. Et en plus, tu seras pas seule. Hors de question que je dorme ici. Hors de question que je dorme dans ce cagibi. Oh. Bon, je vais dormir là-bas, un point c'est tout. Et tu n'auras pas ton mot à dire. D'ailleurs, je vais te montrer où est-ce que tu vas dormir cette nuit. Ouais. Oh bah, tu vas moins rigoler quand tu vas voir ça. T'inquiète pas. Allez, viens, suis-moi. Tu jetteras ça à la poubelle, hein. Tu termineras le ménage. Parce que moi, il est hors de question que je dorme dans ce... Non, non. Allez, tombe, tombe. Non, je peux pas tomber dans les escaliers. Non, 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 non. Et oh. Je déteste. T'as failli me pousser dans l'escalier. Viens ici. Non. Viens ici. Non. Bon, les amis, ne vous inquiétez pas. Je vais pas me laisser faire. Maintenant que je contrôle sa chaîne YouTube, de toute façon, je vous dis absolument ce que je veux. Cette nuit, j'ai prévu de la faire dormir dans le jardin. Il est hors de question que cette petite peste gâche ma semaine et qu'elle fasse la loi dans cette maison. Écoutez. Lily Rose, tu peux venir? Ah, je vais poser ma canne. Ah, regardez-moi ça. Ils ont des magnifiques licornes. Si je mets ça dans le jardin... Allez, hop. Oula, oula, oula. Hop, oula, il suffit que je mette ça dans le jardin comme ça. Ah, ici. Et voilà. Ça lui fera un matelas suffisamment confortable pour dormir. Elle pourra rester toute la semaine dehors comme ça. Et hop, ciao les problèmes. Oh, bon allez. Tata est de plus en plus fatiguée, vous savez. À mon grand âge... Je vais aller la voir, je vais aller la mettre dehors et à moi sa chambre. Et si elle veut pas mettre à la poubelle elle-même ses affaires, c'est moi qui vais le faire, peu importe ce que c'est. Lily Rose! Lily Rose! Non, c'est pas de m'embêter, je t'ai dit que je voulais pas toi dans ma chambre! J'ai préparé ta nouvelle chambre! Ma nouvelle chambre, elle c'est ça ma chambre en fait. Mais qu'est-ce qu'il fait là lui? C'est quoi tout ce bruit là? On est dimanche? Peppa Pig! Peppa Pig! Oh oui, s'il te plaît, sauve-moi, je t'en supplie, j'en ai marre d'être. Qu'est-ce que vous faites là? Vous voyez, c'est dimanche? C'est dimanche, hein, je vous ai pas demandé de venir. On m'a demandé de garder Lily Rose pendant une semaine. Non, 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 alors non, c'est non, ce que non. Je fais. Bon, écoute. Le dimanche, c'est les vacances. C'est... Alors, ouais, écoute-moi, petite cacahuète. Tu vas partir et tu vas continuer ta sieste. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide maintenant. C'est pas toi qui commande, Tata Grognon. Allez, va là-bas, au revoir, à lundi.
lundi, à lundi. Qu'est-ce qui se passe, Lily Rose? Mais je sais pas, elle me demande de sortir de ma chambre, elle veut que je dorme quelque part d'autre, elle veut prendre mon lit, elle est folle, et elle m'a fait jeter plein de trucs. Hé, Tata Grognon, tu vas dormir dans le garage. Je fais ce que je veux. Non, non. Mais non, t'es pas chez toi en fait. Ou dans le trampoline. Hé, Lily, hé, Tata Grognon, est-ce que t'as déjà dormi dans une tente, dans un trampoline? Non, allez, hop. Non! On va me virer tout ça. Non, mais. Toutes ces affaires de malheur. Arrête! Toutes ces affaires de malheur. Non! Mais... Dehors, ouais. Regarde, délire. Hé, ma canne! Ma canne! Elle est tombée! Arrête! Attends. Regardez les amis, comment je suis traitée. Comment je suis traitée ici. Hé, Lily, tu sais ce qu'on va faire avec Tata Grognon? Non. Hein? On va essayer de la mener au garage. Qu'est-ce que vous complotez? Alors, si tu veux récupérer ta canne, il faut venir. Non! Allez, viens. Allez! Je vais te montrer. Mon dos! Je vais te montrer où est-ce que tu vas dormir cette nuit. Ils m'ont tout défait. Oh là là. Je vais te montrer où est-ce que tu vas dormir cette nuit. Et rendez-moi cette canne. J'arrive pas. J'arrive pas à bien marcher. Lily Rose, viens voir. Viens voir avant toute chose. Regarde. Ça va être très confortable pour toi. Voilà. Waouh, très drôle la blague. Tu veux récupérer pour les petites en ton genre? Attends. Voilà ta chambre. Une petite licorne. Non. Toi qui aimes bien tout ce qui est licorne, tout ce qui est paillettes. Tu veux récupérer ta canne ou pas? Tiens, non, allez, viens. Donne-moi ça. Petite puce. Cette petite puce là qui veut m'embêter. Tu sais ce qu'on fait aux puces quand elles grattent la tête? On les bouge. Oh non, pas mon porte-monnaie. Regarde ce qu'on a pas trouvé. Mon porte-monnaie. Ah là là. Donnez-moi ça tout de suite. Donnez-moi ça. Je vais les attraper. Donnez-moi ça tout de suite. Donnez-moi ça. Donnez-moi ça. Allez, donne. Donnez-moi ça. Viens. Donne-moi ça. Allez, viens. Attends, mais qu'est-ce que tu fais? Oh là 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 là. Donne-moi ça. Donne-moi ça, petite peste. Ah là 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 là, donne-moi ça. Donne-moi ça tout de suite. Donne-moi ça. Et qu'est-ce que tu fais? Ah! Mes affaires. Oh, les amis. Oh non, me dites pas qu'ils m'ont enfermé dans le garage. Où est ma canne? Oh, je vois plus rien, il fait tout noir. Oh, j'ai que la lumière de la caméra, mais je vois pas ce... Oh! C'est quoi ça? Ah! C'est la voiture. Ah! Oh oui, ma canne. Ah, ça va. Tu es là. Allez, mon porte-monnaie. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, ça va, t'es calmé? Vous m'aviez invité pour une semaine. Oui, mais pas le dimanche. Vous êtes des petites cacahuètes de malheur. Attention, ton porte-monnaie. Non. Bon, allez, on veut bien que tu reviennes. Ils me respectent pas, les amis. Je prendrai ma revanche. Je vais leur faire tout un tas de pranks. Je reviendrai dans une autre vidéo, vous inquiétez pas. Bon, en tout cas, si vous aimez Tata Grognon, mettez un like à cette vidéo et cliquez sur une vidéo qui apparaît juste à côté. Allez, à la prochaine, les amis. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis pas toute seule. Regardez avec qui je suis. Avec le petit mignon. Regardez-moi ça comme il est. Arrêtez, on ne parle pas comme ça à Tata. Oui, bah, désolé. Regardez ce choupinou, comment il est gentil. Bon, écoutez, là, on est devant la maison de Lily Rose. Et aujourd'hui, ils sont partis. Enfin, c'est lui qui m'a dit ça. Ils sont partis où? Ils sont partis à la plage. Ils sont partis à la plage. Bah, pourtant, il fait pas très beau en ce moment. Enfin, bref. Et ce mignon, ce petit Valentin, voilà, que vous connaissez bien, le cousin relou, comme il l'appelle. Regardez ce qu'il m'a donné. Il a récupéré les clés de la maison. Ah bah merci, comme c'est sympa. Bon, écoute, vas-y, tu vas ouvrir la maison du coup. Il m'a donné les clés. Voilà, du coup ça va être l'occasion d'aller voir ce qu'il y a dans la chambre de Lily Rose et de récupérer quelques affaires, parce que j'en ai tellement marre d'eux. Je vais leur voler 2-3 trucs. Au moins, ça les rendra peut-être un peu plus sympathiques la prochaine fois. Bon, allez, dépêche-toi. C'est ouvert. Oublie pas de reprendre la clé. Reprends la clé. Psst. Oh les chats. Regardez-moi ça.
Eh bah, eh, il faudra rien dire, hein. Tu peux les prendre. Non, il faudra. Mais il faudra rien dire, hein. Bah oui. Parce qu'en oui, fait, j'ai peur que les chats disent tout à Lily Rose. Ah non, ils savent pas parler encore. Ah, ils savent pas parler. Non, ils ont pas l'âge de parler. Bon, allez, les amis. Bon, on va directement aller dans la chambre de Lily Rose. On perd pas de temps. Et on ira peut-être dans la chambre de Peppa Pink et dans la chambre d'Esteban pour voler des affaires. Comme bon, ça, ils auront tous. Hop, on allume les lumières. Ils auront tous un petit truc en moins. Allez. Bon. Personne à l'horizon. Pour l'instant, tu m'as pas menti. Bah oui. La maison est bien vide. Bon, écoute, j'en ai marre. Je vais pas porter les affaires moi-même. Ouais. Prends un sac. D'accord. Prends un sac et je vais te dire quoi prendre. Je vais te dire d'accord. Quoi prendre. Comme ça, on prend pas des choses inutiles. Bon, là, il y a quoi là? Qu'est-ce que. Bon, là, peut-être que les abonnés, ils ont des idées de ce qu'on peut prendre ou pas. Elle bosse, ah, bah, on sait bien. Son coffre-fort. À l'intérieur, elle doit cacher plein de trucs. Allez, dépêche-toi. Y'a plein d'argent. Regarde. Dépêche. C'est quoi ça? C'est des sous. Oh là là, vite, prends ça. Des billets de 50. Allez, on met ça dans le sac. Mets ça dans le sac. Vite. Mets ça dans le sac. Hop. Bon, attends, qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? Les chaussons caca. Oh, j'adore ça, c'est trop marrant. C'est trop marrant. Je peux garder celui-là. Ce coussin. Non, il me faut les deux. Bon, ce coussin-là, il est magnifique aussi. Tu me le gardes. Le sac, il est pas assez grand, gars. Bon. Il est trop petit. Oui, bah vas-y, prends un autre sac. Ils ont plein de sacs ici. Regardez comme il est gentil. Arrête. Si ça, c'est pas de la gentillesse. Laisse-moi tranquille. Oui, bon, allez, oui. J'ai compris que t'aimais pas quand je te fais ça. Mais bon, Tata Grognon est tellement affectueuse. Surtout avec ses petits-enfants, tu sais que. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Tu crois que je t'avais pas vu? Tu crois que je t'avais pas entendu? Mais qu'est-ce que. Tu vas reposer tout ce que t'as pris! Mais vous êtes pas parti à la plage? Non, on n'est pas parti à la plage, t'as vu le temps qu'il fait? Bah là pour l'instant il fait beau. Oui, mais il fait froid donc tu vas très vite bouger de ma chambre et plus jamais tu reviens! Oh non! Mais allez! C'est Valentin qui a eu. Non! C'est Valentin, il est gentil, c'est toi! Allez, va là-bas! C'est lui qui m'a donné les clés de la maison! Va là-bas, je t'ai dit! C'est lui qui m'a donné les clés de la maison, Lily! C'est faux, t'es rentrée toute seule! Lily Rose! Il est. Ma canne! Oh non! Qu'est-ce que tu. Viens par là! Non! Viens par là! Non! Viens par là! Non, laisse-moi tranquille! Voilà, là, si je t'attrape. Je savais pas qu'ils étaient là! Si je t'attrape. Ils m'ont dit qu'ils portaient là! Si je t'attrape, toi! Non! Viens par ici! Non, ça sert à rien de te cacher! Qu'est-ce que t'as fait? J'ai rien fait! Je t'ai donné les clés! Viens! Qu'est-ce que t'as fait? J'ai rien fait du tout, je te dis. Tu savais qu'ils étaient là ou pas? Non, je savais pas. T'es sûr? Je te le jure, c'est les chats, ils ont dû leur dire. Viens par ici, on va faire un nouveau plan. Oh là là, c'est les chats qui ont tout balancé, c'est sûr. Les chats, ils ont dû téléphoner à Lily Rose. Ils savent pas parler. C'est toi? Non, c'est toi qui a tout dit? Non. C'est vous? Elle a rien dit. C'est vous les responsables? Bon, écoute, quoi qu'il arrive, c'est de ta faute, tu m'as donné une très mauvaise information. Viens par là, on va aller au sous-sol s'expliquer un petit peu. Allez, et on va faire un nouveau plan parce qu'il est hors de question que je parte les mains vides. Allez, bon, les amis, on va pas s'arrêter là, ne vous inquiétez pas. Hé, ma canne! J'ai pas fait exprès encore. Donne-la. Bon, je vais pas partir les mains vides. Il nous reste une chance, ça tombe Peppa Pink n'est pas dans la maison, donc on peut aller fouiller sa chambre tranquillement et prendre un maximum d'affaires. Pareil pour Esteban, et d'ailleurs on va commencer par son studio. Allez, viens, tu vas m'aider? Oui. Prends une valise. D'accord, je prends une valise. Prends une valise, on va la remplir. Allez, hop, ici ni vu ni connu. Ah bah tiens, ça c'est parfait. Une tablette tactile, ces lunettes elles sont marrantes, ce casque, je le veux. Ce casque, je le veux. D'accord, j'ouvre la valise. Voilà. Tout de suite. Ça, je le veux. Ça, tous les CD de Lily Rose, je les veux. Ça, je le veux. Le tableau avec les chats, j'adore les chats. C'est trop mignon, les chats, je veux le tableau avec les chats. Bon, mais allez. J'arrive pas à le mettre. Allez, on se dépêche. C'est fermé de l'intérieur. C'est fermé de l'intérieur, oui, bien sûr. Bon, allez, hop, attends, j'arrive. Et vous, c'est vous qui avez balancé? Regardez comment ils me suivent. Ces petits chats, c'est sûr qu'ils ont quelque chose à se reprocher. Bon, écoutez, les amis, je vais pas m'arrêter là. Tata est beaucoup plus maline que ça. Je vais retourner à l'étage pendant que cette petite cacahuète de Valentin, là, bon à rien, continue à prendre les affaires. Je vais aller fouiller la chambre de Peppa Pink. Allez. Un peu de courage, les amis. Vous savez, dans la vie, il en faut quand on est vieux comme moi. Ah, vu comment ils sont méchants avec moi, mes petits-enfants. Ah, allez. Ah, il n'y a personne. Lily Rose, tu es pas là. Elle a fermé sa porte. C'est très bien. Bon, allez. La chambre de Peppa Pink, maintenant. Ah, là, là. Ah!
Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu fais d'ici, tata grognon. T'es ici aussi? Ouais, bah qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est toi, qu'est-ce que... Mais vous étiez parti... vous étiez censé partir. Oh là 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 là. Oh, mais t'inquiète justement, pas. Justement, je pensais à toi. Je voulais juste venir vous dire bonjour. Ah, oui, bah justement, moi je pensais à toi. Je pensais à la fameuse... ta fameuse recette de choucroute garnie. Ah non, mais bouge-toi là. Bouge-toi là, bouge-toi là. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est qui? Non, rien, rien. Bah, non. Oui. Rien, on n'est pas venu pour voler des affaires, ne t'inquiète pas. Voulez des affaires? Bon, ta recette de choucroute là. Oui, ma recette de choucroute, bah je te l'enverrai par mail, hein, je te l'enverrai. Mais oui, mais bon. Je te l'enverrai. Je sais pas ce que tu fais ici. Là, oui, bah non, mais je suis venu vous dire bonjour, voilà, avec Valentin qui traînait ici. Valentin, rien de. J'ai cru voir une valise. Non, mais t'inquiète pas, c'est la valise, c'est Valentin, ça. Oh là 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 là, on est cramé, on est grillé, ils vont savoir qu'on a volé plein de trucs. Et tata grognon, viens voilà. Ici. Non, t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu fais? Va pas embêter les virus. Désolé. Qu'est-ce que tu fais là encore? Dis rien à Peppa Pig, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Dis rien à Peppa Pig, qu'on est cramé. Qu'est-ce qui se passe, les virus? Non mais j'en ai marre, elle rentre tout le temps dans ma chambre, là. Tu peux lui dire de partir, s'il te plaît? Bah allez, tata grognon. Et pour toujours, cette fois. Oh non. Pourquoi c'est pas la première fois qu'elle vient? Ah non, elle vient tout le temps dans ma chambre. Bah non mais virer de ma chambre. Je voulais vous dire, je voulais juste vous dire bonjour. Ah bah franchement vous êtes pas sympa. Hein. Bon allez, je pars. C'est gentil mais bah... Ouais, t'inquiète Valentin, on part. Au revoir. On part, t'inquiète. Allez, ciao, au revoir. À la prochaine les petites cacahuètes. Allez, ciao. Je déménage. Au revoir. Ciao, bye, allez. OK, bye. Oh là là, viens. Oui, je... Ah, c'est bon, t'as pas la valise. Elle est pleine. Comment on a volé plein d'affaires. Ah, elle est pleine de chez pleine, avec la valise, le truc. Bon, écoutez, les amis, moi, je vais vous laisser là. Je reviendrai une autre fois quand ils seront vraiment partis. Hein, pas comme ce Valentin m'a dit. Ah, allez, viens ici, viens dire au revoir. Voilà, allez, à la prochaine, les amis. Revoir. Cliquez sur une vidéo qui apparaît. On dit quoi? Au revoir. Voilà.